à l'hôpital Purpan de Toulouse. Il est 19h. Une nouvelle journée de travail commence pour Laurence. Allez, parti. Ce soir, cette médecin urgentiste de 31 ans va démarrer sa garde sur les chapeaux de roue. Au centre de régulation, Myriam, le casque vissé sur la tête, vient de recevoir une alerte très inquiétante. Oui, c'est le SAMU, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Au téléphone, un homme paniqué demande de l'aide. Il vient de retrouver sa fille de 18 ans, Océane, inerte sur le sol de sa chambre. Oui, nous avons une fille, Océane, qui a 18 ans. Elle est stimulateur cardiaque. Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille ? Elle a respiré bizarrement et on est monté dans sa chambre, mais elle est complètement inconsciente. Elle respire ou elle respire pas ? Oui, elle respire. Elle respire, mais c'est bizarre. Elle est un peu cyanosée, là. Elle respire une fois sur deux. Elle est... Oh, putain ! La jeune femme fait probablement un infarctus, car elle souffre de problèmes cardiaques depuis son enfance. Elle porte même un pacemaker. Myriam le sait, c'est une urgence absolue. Elle réclame immédiatement l'envoi d'un camion de pompiers. C'est Audrey qui va diriger les opérations, accompagnée de deux de ses collègues. Bonjour. Ouais, c'est quoi ? Un arrêt cardiaque sur une jeune de 18 ans. Au même moment, une ambulance du SAMU part aussi en urgence avec à son bord Laurence. L'urgentiste est stressé car sa patiente est très jeune. Pas question de laisser mourir cette adolescente. Ce que je crains, c'est de ne pas arriver à la récupérer. Il va falloir que je sois rapide. Je vais tout tenter. C'est l'objectif que je me fixe, de la ramener à l'hôpital. En parallèle, au centre de régulation, un autre médecin tente de sauver la vie de la jeune femme à distance. C'est Julie. Au téléphone avec les parents, elle essaye de leur expliquer comment effectuer un massage cardiaque. Vous allez retourner auprès d'elle, là, tout de suite. Je vais vous aider pendant qu'on est au téléphone. Là, vous êtes à côté d'elle. C'est mon mari qui vient de se ravir, mais on n'y arrive pas. D'accord. À tous les secours en route, moi, j'essaie de vous aider pendant qu'il roule. Oui. D'accord ? Oui. Elle est au sol ? Pardon ? Elle est par terre ? Non, elle est sur son lit encore. Vous allez la mettre au sol tout de suite. D'accord ? Vous allez débuter le massage cardiaque, madame. Je vais vous aider. Mettez-la au sol. Et vous allez commencer tout de suite les compressions. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, comptez à votre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va falloir que vous vous relayiez pour le massage cardiaque, d'accord ? C'est très, très fatigant. Allez, allez, allez. Allez, Océane, allez, c'est ce qui nous a fait, Océane. À une dizaine de kilomètres de là, Laurence et son équipe arrivent enfin. La station devant la SAV. Devant la SAV ? Ok. On va descendre côté route, c'est bon. La jeune femme habite dans un petit pavillon de la banlieue de Toulouse. Laurence s'attend à intervenir en situation de crise. Les pompiers l'ont devancée de quelques minutes et elle va avoir une bonne surprise. Okay, allez, contre toute attente, l'adolescente est consciente. C'est très agréable, l'homme d'avis, on va lui mettre le masque. D'accord ? C'est super. Ouais. Océane, regarde-moi, je suis le docteur. D'accord ? Je suis le docteur du SAMU. Tu me serres la main ? Serre-moi la main. Ok. Serre-moi l'autre main. Ça va ? Non, ça va pas ? Tu reviens de moi, ma puce. Hein. Océane est encore dans les vapes, mais grâce au massage cardiaque effectué par ses parents, son cœur est reparti. Laurence n'en revient pas. C'est miraculeux. On va aller directement à l'hôpital. Avant de partir, Laurence tente de comprendre ce qu'il s'est passé. Le médecin sait qu'une rechute est possible, alors elle interroge ses parents, qui sont toujours sous le choc. Ok, d'accord. Et quand vous êtes arrivée, elle était bleue ? Non, elle n'était pas vraiment bleue. Elle n'était pas vraiment bleue, mais par contre, j'ai un doute, je ne sais pas si elle respirait encore. Ouais. Par contre, elle avait les yeux ouverts, un peu révulsés. D'accord. Et voilà.
Et donc j'ai commencé de suite à lui faire un massage cardiaque. Et bah, ma femme a appelé, vous a appelé. Et vous n'aviez pas si elle respirait ou pas? Ben, je ne peux pas dire. On n'a pas cherché. On n'a pas eu l'impression. Franchement, D'accord. Ce qu'on cherchait, c'est la faire réagir. D'accord. Vous avez été parfait. D'accord. Moi, quand j'arrive, elle est vivante, votre fille. Ouais. Vous avez été parfait. Merci. D'accord. J'aurais pas fait mieux. Même avec 15 ans d'étine, je n'aurais pas fait mieux. Ok. Si elle a envie, c'est vous qui l'avez sauvée, c'est pas moi. Christophe et Barbara sont encore bouleversés. Pendant 15 minutes, ils ont cru perdre leur enfant à jamais. Un moment de détresse inimaginable. Depuis qu'elle est équipée d'un pacemaker, le papa s'angoisse pour sa fille, jour et nuit. Allez, on va aller. Océane, c'est papa là. Océane, ne bouge pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comment ça dévore ensemble? Allez, ça va aller, Océane, ça va aller. D'accord. Océane, bouge pas, pleure pas. C'est bon. Ça y est, c'est bon, Océane, c'est fini, c'est fini. C'est bon, Océane. Tu nous as fait peur. Laurence appelle le centre de régulation afin de préparer le terrain pour ses confrères. Donc, l'histoire, 15,8 de tension, 90 de fréquence cardiaque. Donc, elle est perfusée, elle va être installée sur le coquille souple. La situation paraît sous contrôle quand, soudainement, l'état de la jeune femme se dégrade. Ah non, non, tu vas, tu vas. Elle vomit? Elle vomit, ouais. Océane, là, elle vomit, là. Ça va? Ouais, elle vomit, là. Ça va mieux, ma belle? Ça va être chaud, hein. Je vais me dépêcher. Ouais, là... Comme vous voulez. Les vomissements font souvent suite à un arrêt cardiaque. Laurence sent que sa patiente est encore très instable, alors elle décide de l'emmener au plus vite. Lève-le-toi un peu, soulage la tête. Descends là, les trois autres. Oui, je sais. Océane, regarde-moi. Tu vas me donner la main, d'accord? Allez. Attention pour lever. Levez. Levez. Hop là. Océane, regarde-moi. Regarde-moi, tu vois, je suis avec toi. Regarde-moi. Non, non, pas grave, Océane. Tu tombes pas, Océane. Viens avec lui. Ah, mais ces chaussons. On va les prendre, Océane, on va les prendre. Accroche-toi à moi, Océane. Accroche-toi. Regarde-moi, Océane. Va, Océane. Regarde. Allez, papa, la main. Ça lui ferait du bien. À ma place, regardez. Allez. Je suis là. Allez, super. Le père d'Océane, très anxieux, craint toujours le pire. Il tient à rester près de sa fille jusqu'au bout. Oui, ça va passer, Océane. On est là, Océane. Ça va aller, la miss. T'inquiète, les pompiers s'occupent de toi. Ça va, Océane? Ouais. T'as mal à la tête? On peut la relever un petit peu? Oui. L'ambulance se lance à toute vitesse sur l'autoroute. À l'intérieur, Laurence tente de changer les idées d'Océane. Car même si elle a déjà fait des séjours à l'hôpital, un transport à 18 ans dans ces conditions peut être traumatisant. Océane, t'étais jamais montée dans un camion de pompier? Ah, tu sais que c'est le rêve de tous les petits garçons. Des petites filles. Oui, des petites filles. Moi, j'ai un petit garçon, c'est pour ça. Désolée. On y est presque. Aux urgences, Océane va passer des examens du cœur plus approfondis pour déterminer l'origine de l'arrêt cardiaque et éviter qu'il ne se reproduise. T'inquiète pas. On est là, Océane. On est là, ma puce. Océane, on est là. Audrey, la jeune femme sapeur-pompier présente depuis le début de l'intervention, est extrêmement touchée par l'adolescente. Là, elle a 18 ans, elle a des soucis depuis qu'elle est toute petite. On s'attache, même si c'est peu de temps, on s'attache quand même à la personne le temps de l'intervention. Donc. T'aurais aimé rester un petit peu plus? Ouais, si on pouvait, oui, des fois, on aimerait, oui. Les pompiers ont mené à bien leur mission. Ils repartent soulagés, tout comme Laurence. Même si elle est arrivée après la bataille, elle est ravie que l'histoire se termine bien. C'est le genre d'intervention qui donne un sens à mon métier. Oui. Clairement, moi, quand j'amène les gens vivants à l'hôpital,
Je signe pour ça tous les jours et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans sa chambre, la jeune femme se remet doucement de son arrêt cardiaque. Elle ne réalise pas qu'elle vient de frôler la mort. Heureusement, ses parents sont là pour la réconforter. Comme ça ? Non, bah oui, quand même. Un petit amour. On nous a fait peur, tu sais. T'as peur de quoi ? Demain ? Il est un peu tard. C'est la première fois que vous avez cette frayeur ou ça s'est déjà produit ? Ça, non, c'est la première fois. Hein. C'est. Alors. Comme ça, oui. Comme ça, oui. C'est la première. En fait, Océane a fait un infarctus à cause de son insuffisance cardiaque. Une semaine plus tard, les médecins lui poseront un défibrillateur interne qui enverra une décharge électrique au cœur pour le stimuler en cas de nouvel arrêt cardiaque. Elle est aujourd'hui en bonne santé et a retrouvé tous ses esprits. Au SAMU, ces interventions angoissantes font partie du quotidien. Même s'ils y sont habitués, les médecins et les infirmiers ne sont pas à l'abri d'un coup de blues. Alors, ils ont eux aussi besoin de décompresser. Et coucou mon chéri. T'es où ? Et je suis à l'hôpital mon chéri. À l'écart, Laurence est au téléphone avec son fils de 5 ans. Quelle dame ? La jeune médecin effectue en moyenne 3 gardes de 24 heures par semaine. Un rythme déstabilisant pour sa famille. Alors, dès qu'elle le peut, elle prend des nouvelles. Ça a été l'école ? Oui ? T'as été sage ? Hein ? À l'hôpital. Chérie, tu me dis bonne nuit ? Oui ? Oui. Ah non, je ne suis pas couchée dans le lit, je suis assise. Je vais repartir travailler, là. Moi aussi, je t'aime, chérie. Ciao. Oui, tu éteins. Ciao. Laurence ne le sait pas encore, mais ce soir, elle va à nouveau vivre une nuit très compliquée. 5 heures plus tard, l'alerte est donnée. Allez, on roule, c'est parti. En avant. L'urgentiste et son infirmière, Nathalie, doivent partir en urgence. Il nous faut un ambulancier. Il s'agit d'un accident de la route. Deux véhicules se seraient percutés frontalement à vive allure et il y aurait un blessé grave. Laurence n'en sait guère plus. On part sur un accident de la voie publique, visiblement. Une dame qui aurait un traumatisme crânien dans une voiture. C'est un peu la surprise parce qu'on peut tout trouver dans un accident. Donc on va voir quand on arrive sur place. S'il n'est pas soigné à temps, un traumatisme crânien peut provoquer une hémorragie. Alors il faut faire vite. L'ambulance ferait un chemin au milieu des embouteillages pour rejoindre le lieu de l'accident. Une départementale à une vingtaine de kilomètres en pleine campagne. C'est bon pour nous ? Ouais. Sur place, Laurence découvre une scène d'une rare violence. Les deux véhicules se sont percutés de plein fouet à 70 km/h. Ils sont en lambeaux et l'un des conducteurs est toujours coincé dans l'habitacle de sa voiture. Vous avez préparé le brancard ? On a la planche, le brancard on le sort dès qu'on est sur la planche, c'est bon. Ok, d'accord, on va essayer d'aller vite. En face, on a une dame qui a une grosse bosse sur le front. Oui. Contre toute attente, la femme qui a reçu un choc à la tête n'est que légèrement blessée. Elle va être évacuée à l'hôpital par les pompiers. Laurence se concentre sur le conducteur encastré dans son véhicule. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le docteur du SAMU. Vous avez compris ce qui se passe ? Ouais, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos ? Ouais, ça me mange dans le bas du dos. Dans le bas, d'accord. Est-ce que vous avez mal à la jambe ? Aussi ? Ok, on va vous perfuser et une fois qu'on aura fait les traitements, vous sortirez de la voiture. On va se dépêcher. Un choc frontal à 70 km/h face à un véhicule qui roule à la même vitesse équivaut à une chute de plus de 12 étages. L'homme est un miraculé, mais il souffre. Laurence doit lui injecter des antidouleurs pour le soulager, afin que les pompiers puissent l'extraire de sa voiture. Là, il a trop mal. Je suis là, donc c'est vraiment pour essayer de calmer sa douleur
et le faire dans de bonnes conditions. Voilà. Est-ce que ça commence à aller mieux, monsieur? Ça va un petit peu mieux? D'accord. On va refaire juste un tout petit peu d'antalgie, après on va vous sortir calmement. D'accord? Tout doucement, vous allez nous donner le rythme. Il s'appelle Thomas. Il a 43 ans. Ouvrier du bâtiment, il rentrait chez lui après une journée de travail quand l'accident s'est produit. D'après les premières informations disponibles, ce serait la conductrice de l'autre véhicule qui en serait à l'origine. Sa belle-sœur vient d'arriver, elle n'en revient pas. Apparemment, elle s'est pris un camion, elle a perdu le contrôle du véhicule et ensuite, elle s'est pris la voiture qui est arrivée en face. Mais j'en sais pas vraiment plus. En fait, toutes les deux, on partait ensemble. Donc moi, je l'ai perdue, elle était derrière moi. Et elle m'a appelé pour que je fasse demi-tour, pour me dire qu'elle avait eu un accident. Donc j'ai fait demi-tour et je l'ai rejoint. La conductrice devrait s'en tirer avec un gros bleu à la tête. Mais Thomas, lui, est toujours coincé dans son véhicule et ses blessures paraissent graves. Il y a une fracture du fémur à gauche, ça c'est sûr, je pense. Et après, peut-être une fracture au niveau vertébral. On va voir. C'est le plus inquiétant. Si sa colonne vertébrale est touchée, il risque la paralysie. Laurence doit l'examiner, mais avant, il faut l'extraire le plus délicatement possible de son véhicule. Christophe, tu fais quoi toi là-bas? Un à la jambe. Tu t'occupes de la hanche? Tu fais sur le deux? Christophe, tu t'occupes de la hanche? Non, il faut... Et nous, on va le pivoter. Hervé, tu me tiens le truc là, comme ça. Il y en a un qui fait un maintien de tête? Ouais. Qu'est-ce qui est délicat dans le fait de sortir quelqu'un comme ça? Respecter l'intégrité de sa colonne vertébrale. Parce que si elle a une fracture vertébrale, si on la déplace, le risque, c'est la paraplégie. Est-ce que vous êtes prêts? La manœuvre commence. On lisse. La jambe gauche, il faut la maintenir. On la tient. Laurence reste à côté de son patient pour intervenir en cas de complication. Je l'ai. Allez. Attention, il est là. Enlève. C'est bon, monsieur. On est arrivé, d'accord? Le mot chaud. Oui. Oh, ma jambe. Ouais, alors on va refaire des traitements pour la douleur. Écoutez-moi. Bien la jambe là. Écoutez-moi. Excusez-moi. Vous avez tous les droits, d'accord? On va vous mettre dans le BSAV, vous ne bougerez plus. Je vais vous refaire des traitements. Allez. Ah putain, ça fait mal. Allez. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Allez, on y va. Elle rouge là. Maintenant, il faut qu'on refasse bien le point là. Allez. Après un choc d'une telle ampleur, des lésions internes sont possibles avec un risque d'hémorragie. Laurence doit rapidement examiner l'abdomen du conducteur. J'avais un pansement. Allez. Non, on va vous refaire les traitements qu'il faut. Ok? Moi, je vais vous examiner. Est-ce que là quand j'enfile là, je vous fais mal? Non. Vous avez mal au dos toujours? À gauche. À gauche? D'accord, c'est tout à gauche là. Oh putain, ça fait mal. Vous avez pas mal à la poitrine, monsieur? Pas de douleur thoracique ici? J'ai un petit peu tout à l'heure, mais là, ça... Pour être sûr que Thomas n'ait pas de sang dans le ventre, Laurence utilise un échographe portable, un appareil très précieux dans ce genre de circonstances. Monsieur, je vous fais une échographie. Oh, je suis pas enceinte. Vous avez toujours votre sens de l'humour, c'est parfait. C'est très bien. C'est que vous allez bien. Respirez fort encore, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur. J'ai pas des pansements dans le ventre maintenant, mais ça n'empêche pas que ça nous dirait qu'il faut renouveler, donc on verra quand on arrivera à l'hôpital. Pour l'ouvrier du bâtiment, c'est un soulagement. Afin qu'il supporte la douleur, Nathalie, l'infirmière, lui injecte une nouvelle dose de calmant. Je refais le produit de tout à l'heure, monsieur, celui qui donne un petit peu cette sensation d'ivresse. L'infirmière utilise aussi l'hypnose, une pratique de plus en plus prisée par les services d'urgence. Est-ce que cette sensation d'ivresse arrive? Un petit peu. Encore, tranquillement, un petit peu. On la laisse arriver tranquillement. Vous fixez bien votre attention sur vos enfants, sur quelque chose d'agréable que vous faites avec eux, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Vos enfants, quelque chose d'agréable que vous pratiquez avec eux. Voilà, on fixe son attention là-dessus. Je vais un petit peu, d'accord?
ce médicament peut déclencher des mauvais souvenirs ou des mauvaises pensées. Donc si on les fait, essayer de réfléchir à quelque chose d'agréable, ce médicament peut agir encore plus efficacement. Thomas a complètement oublié ses douleurs. Il arrive à l'hôpital, détendu. Ça va, monsieur ? Attends. Oui, tu es à l'hôpital. Tu vas t'en charger. Visiblement, il a bien accepté le transfert, il en gardera un bon souvenir. Après, on ne sait jamais, dans les accidents, on est très très prudent. Il faut vraiment aller chercher toutes les lésions possibles. La mission de Laurence s'arrête là. Thomas sera opéré dans la nuit. Il souffre d'une fracture au fémur, au sternum et d'une rotule cassée avec une plaie ouverte. Par chance, il n'a aucune lésion interne. Le lendemain, à l'hôpital Purpan, nous le retrouvons en pleine convalescence. Il prend conscience qu'il a eu beaucoup de chance. Juste après l'accident, seul, coincé dans son véhicule, il pensait que son heure était arrivée. Ça m'a paru une éternité. Même si je suppose qu'ils sont arrivés rapidement, les pompiers, ça m'a paru une éternité. J'ai voulu essayer de sortir de moi-même, mais j'ai à un moment regardé mon genou et j'ai eu une grosse boule, quoi. C'était la rotule. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose de grave, quoi. Donc j'arrête de bouger plus que j'attends. D'ici quelques jours, Thomas retrouvera sa femme et ses enfants. Mais il lui faudra plusieurs mois de rééducation avant de pouvoir reprendre une vie normale. Une situation que l'ouvrier du bâtiment a du mal à supporter. Ça m'énerve un peu parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et je me retrouve cloué dans un lit, quoi. C'est une chose que je vois pas trop ma femme, pas mes enfants quasiment. Excusez-moi, quasiment pas mes enfants. Et je peux pas. J'aime bouger, j'aime voir du monde et là, du coup, je me retrouve bloqué. En France, les trajets de courte distance sont les déplacements les plus dangereux. Deux fois sur trois, c'est même près de chez soi, entre le domicile et le travail, que l'accident se produit. À la caserne de l'Union, située dans le centre-ville, les sapeurs-pompiers, eux aussi, vivent des journées harassantes. Et parfois, c'est quand ils ne s'y attendent pas qu'un incident surgit. Christian et Alexandre vont encore en faire l'expérience aujourd'hui. Ils sont en route vers les urgences pour y déposer une femme qui a fait un léger malaise. Je t'ai mis en ligne. Attention descendant. Ouais. Leur intervention se termine sans encombre, mais à l'extérieur de l'hôpital, les esprits s'échauffent. Tu t'en prends à lui ? Oh, c'est quoi ça ? Ouais. En fait, cette camionnette blanche bloque l'accès à l'hôpital. Du coup, les deux sapeurs-pompiers ont dû stationner leur camion au milieu de la rue, et certains automobilistes n'arrivent pas à le comprendre. Vous parlez à qui, monsieur ? À toi, monsieur ! Mais vous croyez que je fais quoi ? J'essaie d'accéder aux urgences. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le monsieur ira parce qu'il ne peut pas passer. Le comportement de l'automobiliste est intolérable. Oui, on en profite, oui, t'as vu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Heureusement, Christian et Alexandre savent garder leur sang-froid. Ah ouais, mais c'est plus facile de taper sur nous, hein. Avant le foot que c'est parqué ici. Mais c'est à moi ou c'est à lui ? Oui, je sais. En France, les agressions contre les soldats du feu sont en augmentation. Et malheureusement, Christian et Alexandre ont dû s'y habituer. Les giraux, pour eux, ça va venir. Oui, le problème, c'est qu'on s'amuse, vous voyez ce qu'ils nous ont dit. Le respect de l'uniforme. Ils en profitent, ils nous disaient. C'est vrai, on en profite, ouais. On est là pour s'amuser. Il n'y a plus ce respect de l'uniforme comme il y avait dans les années précédentes. Oui. Il y a encore quelques temps, jamais on n'aurait vu ça. Les pompiers n'auront pas le temps de ruminer. En chemin vers la caserne, ils reçoivent une nouvelle alerte. Oui, c'était un ordre pour parler pour le SAV de l'Union. Le 4, oui,
appelle ça quand on veut des la résidence au niveau du parc. Au niveau du parc de la résidence, vous avez un mur avec la personne à normes qui se serait démoulé. Oui, c'est bien reçu pour l'Union, on part pour brûlure grave aux 24 rues. Aussi étonnant que cela puisse paraître, un homme se serait immolé dans un parc au pied d'un immeuble. Il serait immolé apparemment. Il se serait immolé apparemment. J'envoie les watts. Hein. La situation semble grave, mais Christian et Alexandre sont encore loin d'imaginer ce qui les attend. La police est derrière. La présence des policiers est d'autant plus inquiétante. 24, t'as dit combien ? 24, oui. Oui, c'est vrai. On est arrivé. L'incident a eu lieu dans une résidence moderne, en plein cœur de la ville. C'est bon, les gars ? Ouais, c'est bon. C'est vous qui avez appelé ? Christian presse le pas. Mais le pompier va vite se rendre compte qu'il est déjà trop tard. Il est tombé du toit ou il s'est brûlé ici? Il s'est immolé là. Il était déjà au sol et il bougeait plus. Il est chaud, il est raide. Pour les soldats du feu, c'est la stupeur. Nous, ce qu'on fait, c'est le sauvetage, hein, dans la mesure du possible. Là, malheureusement, vu les conditions dans quel état est la victime, il n'y a aucun geste de secours. Là, on a passé ce cap-là, malheureusement. Les sapeurs-pompiers, comme les policiers présents sur place, n'en reviennent toujours pas. Que s'est-il passé ? Qui est cet homme ? Et pourquoi s'est-il immolé ? Alexandre tente d'en savoir un peu plus en interrogeant une voisine. Vous le connaissez, madame ? Madame ? Qu'est-ce qui se passe, madame ? Cette dame était aux premières loges, mais elle semble ne pas parler français. J'ai dit bonjour, c'est la police, j'ai pas pu en placer. Les forces de l'ordre et les pompiers sont dans le flou. Ils doivent s'en remettre à quelques bribes d'informations obtenues grâce au voisinage. Il y a des infos à droite à gauche qui tombent. Ouais. Ouais. Apparemment, il courait. Ouais. En plus, il est en chaussons, tu vois. C'est-à-dire qu'il traînait pas dehors à la base. Il devait être chez lui tranquillement. Oui. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faut toucher à rien. La victime serait sortie de chez elle en chaussons et se serait immolée par le feu dans un calme difficilement concevable. L'homme qui a prévenu les secours a assisté à toute la scène. J'ai vu ce personnage qui marchait sur la pelouse tranquillement, il n'avait pas l'air du tout affolé. Au lieu d'appeler, de prendre le téléphone, j'aurais dû prendre une couverture, je ne sais pas. Non, mais vous inquiétez pas. Hein. Oui, j'écoute. Non. Pour les habitants de la résidence, c'est un mélange d'incompréhension et de curiosité. On va essayer de cacher la victime parce qu'on a un visu là sur la victime. Mais c'est chaud. Christian cherche avant tout à épargner les habitants, bien conscient qu'il ne sera pas d'une grande aide cet après-midi. Il y a des gens aux fenêtres là en train de regarder. Pas à peine de traumatiser des personnes qui n'accepteraient pas justement de voir ça. Mais par curiosité, ils vont le faire quand même. Bonjour. Il s'est immolé, brûlé là. Vous pouvez le voir, on attend sous d'eau là pour le refroidir, mais il est bien. Les urgentistes du SAMU qui viennent d'arriver ne peuvent eux aussi que constater le drame. Ça marche. T'es arrivé à quelle heure ? Ah là, ça vient d'arriver. D'accord. On arrive juste, on n'a pas de témoin direct, juste de la. D'accord. Des gens qui l'ont vu embraser, mais on ne sait pas comment c'est parti. Sa famille, elle est là, c'est ça. D'accord, c'est ça qui est en train de. Et on ne sait pas. Les interrogations subsistent. Ce sera aux enquêteurs de comprendre pourquoi cet homme s'est immolé. Christian et Alexandre placent un drap pour protéger la dépouille du regard des habitants.
avant de repartir vers leur caserne, un peu dépité. Malheureusement, on ne peut rien faire. Malheureusement. On est arrivé trop tard. C'est... Ça, on aurait pas eu presque être sur place et voir ce que ça s'est passé pour faire quelque chose. Ouais. C'est comme ça, mission suivante. Il faudra plusieurs jours d'enquête pour parvenir à identifier le cadavre. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années d'origine irakienne. Mais pour le moment, les raisons de son geste désespéré restent inconnues. Au même moment, à l'hôpital, Mohamed, médecin au SAMU depuis 4 ans, doit partir secourir un enfant de 11 ans qui vient d'avoir un grave accident de la route. SAMU de BL4, équipe 2 au départ. Comme Michel, son collègue infirmier, et Jean-Louis, l'ambulancier, Mohamed appréhende toujours ce genre d'intervention, car secourir un enfant demande généralement plus de délicatesse et de pédagogie. On part sur un accident sur la voie publique d'un jeune de 11 ans qui a été renversé par une voiture en étant sur un vélo. On sait que c'est potentiellement grave. Après, on verra sur place exactement dans quel état est l'enfant. Ouais. Mais après, il faut s'attendre à tout, oui. C'est par définition un accident de force cinétique parce que c'est un vélo avec moins de protection qu'une moto ou qu'une voiture, bien sûr, et que les lésions sont d'emblée assez importantes. L'accident a eu lieu dans la banlieue de Toulouse. Les pompiers ont également été mobilisés. Je pense que c'est les pompiers. Oui, je pense que c'est les pompiers. Au moment de la collision, le jeune garçon effectuait une balade à vélo avec ses parents. Il empruntait une piste cyclable qui coupe cette route quand il a été percuté par une voiture. Ça te va pas, celle-là ? Ouais ? Bon, je viens des médecins. Allez ! Et le pied droit ? Non, la tête, tu ne la bouges pas. D'accord. C'est là que j'ai mal dans ma cuisse. D'accord, la cuisse, ok. Ça s'est passé comment? Tu te rappelles, tu étais en vélo? Oui, en fait, la voiture elle allait me laisser passer, mais avec le soleil, je crois qu'elle ne l'avait pas vu. Elle t'a pas vu et du coup, elle t'a percuté, c'est ça? Elle t'est tombée sur le pare-brise. Le jeune garçon est conscient, mais une lésion interne est possible. Mohamed veut en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Il interroge le père de l'enfant et le conducteur de la voiture qui l'a percuté. Attends, le pare-brise, monsieur, vous l'avez vu ou pas? Il s'est réceptionné sur le pare-brise. Sur l'avant de la voiture, il a fait ça, après il est tombé. Donc quoi, il a tapé sur le pare-brise, parce que le pare-brise est fissuré. Il était casqué? Non, il est pas mal à se poser la question. D'accord. Mais j'ai pas mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête? Ok, tu as juste mal à la jambe. C'est plutôt bon signe. Le jeune garçon a eu beaucoup de chance, car sans casque, un choc à la tête lors d'un accident de voiture peut se révéler mortel. Le médecin doit maintenant l'examiner pour déterminer l'étendue de ses blessures. À part la jambe, tu en as quelque part ou pas? Non. Ça ne bouge pas. D'accord. Là, quand je vais au cervical, là, t'as mal au cervical ou pas? Non. Pas de douleur, hein? Non. Ouais, d'accord. Là, je regarde ta jambe un peu, d'accord? Ok. Là, les orteils, ça va? D'accord. Allez, je remonte tout doucement. Ici. Ok. Allez, je continue à monter. D'accord. Ok. Quand je fais ça, est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal, ça, on est d'accord? D'accord. Ici? Ça me fait côté, si vous voulez. D'accord. Ouais, s'il vous plaît. Là, d'accord, ok. Allez, bouge pas. Il y a la jambe cassée? Ouais, ouais. Là, je pense que c'est plutôt le genou. D'accord? Et la partie, je vous montre. À partir d'ici, le genou, il a pas mal au genou. Au niveau de la cuisse, il n'a pas mal. D'accord? D'emblée, le bilan est rassurant. C'est un jeune qui est conscient et il se plaint de rien d'autre, surtout à part son genou. Donc c'est plutôt rassurant. Et mon pied aussi. Et ton pied. Le pronostic vital du jeune garçon n'est pas engagé. Mais à son âge, vivre une telle expérience peut être traumatisant. Mohamed prend le temps de discuter avec lui pour dédramatiser la situation.
Bon, tu fais quoi? Sinon, t'es à l'école? Dans quelle classe? T'as des frères ou sœurs? Ah oui, j'ai un frère. Il s'appelle comment? Oui. Là, je te couvre un peu parce que là... Avec l'aide des sapeurs-pompiers, Olivier, l'infirmier, doit maintenant poser une attelle autour de sa jambe pour pouvoir le transporter à l'hôpital. Si jamais je te fais mal, tu dis stop et j'arrête. Ok, on y va tranquillement. Allez, tu me regardes à moi, regarde-moi. Il fait lui aussi preuve de beaucoup de pédagogie pour rassurer le jeune garçon. Ça va? Très bien, c'est très bien ce que tu fais. Là, je repose, ça va être un peu froid. Le flacique est un peu froid. Allez. Ça va se réchauffer après. Hein. Ça va? Ouais. Allez, c'est le froid, ça, c'est ça? Oui. Oh, okay. Parfait. On va te mettre au chaud, ok? L'attelle est posée. Il ne reste plus qu'à hisser le jeune garçon sur le brancard. Très choqué par l'accident, sa mère a préféré se mettre à l'écart pour ne pas perturber les secours. Elle n'est toujours pas remise de ses émotions et peine à rester debout. Ah ben, oui, non, alors on est mieux assis. On va... Ça va aller, on s'en occupe. Et vous reposez-vous, calmez-vous tranquillement et on revient vous voir pour vous donner des nouvelles. Et après, je vais avec vous. Et si vous pouvez, si... oui, si vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais doucement, hein. C'est bon, si j'ai une deuxième victime après. Oui, oui, non, mais aussi... Vous n'allez pas y payer double, moi. Au moment de l'accident, la maman aussi était à vélo. Elle pédalait quelques mètres devant son fils quand elle a eu la peur de sa vie. On revenait du stade d'athlétisme en vélo, puis on habite juste là, donc on allait en traverser pour rentrer chez nous. Et il a traversé sans regarder, et il y a une voiture qui est arrivée. L'enfant a été percuté, a cogné le pare-brise, et après est tombé par terre. Dans l'ambulance, le jeune garçon va subir une dernière épreuve. Et c'est Olivier qui va s'en charger. Alors, c'est une piqûre que je vais te faire au pied du coude. Ça va pas durer très longtemps. C'est pas ma première fois, donc ça devrait bien aller. Ok? Je te promets que ça va aller vite et il n'y en a pas pour longtemps. Et que c'est plus impressionnant que ça en a l'air. Attends, voilà. Remonte-moi cette manche. Je serre. Le garçon ne se plaint pas et reste courageux jusqu'au bout. Mais l'idée d'une piqûre de calmant pour apaiser ses douleurs ne l'enchante pas vraiment. Ça va faire pic, tu vas faire aïe et ça sera fini. Faut pas que tu aies peur. Heureusement, les médecins et les infirmiers ont une bonne technique pour détourner son attention. Alors après, tu fais du sport à ta gauche. Tu fais quoi comme sport? Ping-pong. T'es bon en ping-pong? Du rugby. Du rugby? Oh là, tu fais deux sports? C'est pas vrai. Au rugby, tu joues quoi? Serre ma main. Qu'est-ce que tu joues au rugby? Tu souffles bien. Sur le UNSS, ça change. Tu ne bouges pas. Serre ma main. Ah ouais, c'est fini. Et voilà. Tu vois, ça pique, ça crie, et c'est... Regarde, c'est fini. Il n'y a plus d'aiguille. Mohamed doit maintenant vérifier que le garçon n'a pas de lésion au niveau de l'abdomen, grâce à cet échographe portable. Un patient qui peut paraître bien de l'extérieur peut aller mal de l'intérieur. Bon, on y va. C'est normal. Allez, inspire. Encore. Je vais te montrer les images aussi, d'accord? Regarde. D'accord, ça c'était... Ça c'est toi à l'intérieur, c'est ta radio. Allez, hop. Le médecin n'a rien décelé au niveau des organes internes, mais il soupçonne une fracture à la jambe droite. Je pense que tu t'es cassé un os. Ouais, peut-être. On verra avec la radio à l'hôpital. Allez, mais ta maman va venir avec nous dans le camion. Ah oui? Ah oui? Bah, tu veux pas? Ah, si, je veux. Ah, sinon, on la laisse, hein? Ah non. Allez, hop. Le garçon va être transféré aux urgences pédiatriques pour des examens complémentaires. Avant de partir, l'urgentiste tient à expliquer la situation à ses parents. Bonjour madame, on ne s'est pas encore vu, je suis un des médecins. Bon, il va bien, rassurez-vous. Hein. On va aller à l'hôpital des enfants. Ok. Donc au bilan, au total, c'est probablement une fracture du genou à droite ou une contusion, c'est pas, c'est la radio qui va le dire, mais c'est rassurant. La maman de la jeune victime a souhaité monter dans l'ambulance pour le rassurer et avec l'infirmier, elle tente de lui changer les idées. Ah, il a fait exprès pour pas aller à l'école. C'est loin que j'allais me dire, il faut pas aller à l'école. Ah, mais j'en ai eu. Ouais, voilà. Je sais je pense que tu préférais y être à l'école, ouais.
Chaque année, en France, 700 personnes sont gravement blessées suite à un accident de vélo. Le jeune garçon a eu beaucoup de chance. Les examens passés à l'hôpital ne révéleront rien de très grave. Il souffre d'une légère fracture à la jambe droite et sera plâtré pendant 3 semaines. Un trophée qu'il ne manquera pas de faire signer à ses camarades de classe. À la caserne de l'Union, il est 17h. Les sapeurs-pompiers profitent d'un moment d'accalmie pour faire un peu d'exercice. Mais aujourd'hui encore, les soldats du feu n'auront pas de répit. Au centre de régulation du 18, une nouvelle alerte vient de tomber et il faut repartir au pas de course. Ouais, là on part sur une demoiselle là, qui a fait une réaction allergique. Et elle est en train de faire une dème de couinque, là, c'est un gonflement de la gorge. Donc elle risque de s'étouffer rapidement, donc faut qu'on soit assez rapide. Le VSAV2, t'as le billet s'il te plaît? Ouais. Ok, merci. Ok. À 49 ans, Xavier est l'un des pompiers les plus expérimentés de la caserne et il est inquiet. Allez. L'œdème de Quink est une réaction allergique violente qui peut toucher tout le monde. Elle peut être due à l'absorption d'aliments, comme les cacahuètes, ou même à une piqûre d'insectes. Et si elle n'est pas traitée à temps, elle est potentiellement mortelle. Si elle gonfle au niveau de la trachée, de la gorge, elle va faire une détresse respiratoire et elle va s'étouffer, quoi. L'incident s'est produit dans une piscine municipale à une dizaine de minutes de route. Xavier et son équipe accélèrent. Au même moment, à l'hôpital, Johan, le médecin de service, vient d'être prévenu par la régulation. Quelques secondes pour prendre son matériel et avec son équipe, il embarque dans l'ambulance pour rejoindre ses collègues pompiers. Le temps presse. 8 minutes se sont déjà écoulées depuis l'appel de détresse. Heureusement, Xavier et ses collègues arrivent enfin sur place. C'est bon, ouvert, nous avons arrivé. Ils sont accueillis par une maître nageuse qui a assisté à la scène. Donc elle nous fait une allergie. Elle respire là quand même pas mal ou pas? Ça va, mais elle a trop ouais, de la langue et de bon. La gorge. D'accord, ça va. Bonjour. La jeune fille a été conduite à l'infirmerie. Elle est en pleurs et totalement paniquée. Non, on s'occupe de toi, d'accord? C'est combien de temps que ça a commencé? Je sais pas, dès que j'ai commencé à sentir que ça gonflait, on est allé voir directement le ménageur. D'accord, mais t'as mangé quelque chose de particulier? T'as été piqué? Non. D'accord. Ouvre la bouche. Cette lycéenne s'entraînait pour son baccalauréat, option natation, quand elle a été prise d'une crise d'allergie très sévère. Sa gorge est gonflée, ses bras la grattent et semblent la brûler, et elle a des douleurs à l'estomac. Xavier cherche à comprendre ce qui s'est passé pour faire gagner du temps au médecin urgentiste. Est-ce que, on va te mettre un peu d'oxy aussi. T'inquiète pas, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, ok? Par contre, écoute-moi, est-ce que tu as déjà fait des crises comme ça? Non. D'accord. Est-ce que tu sais si tu es allergique à certains produits non, ou autres? Non. Non, d'accord. C'est la première fois que ça t'arrive. Oui. Okay. Allez, ça va aller. Ok? On va voir comment ça évolue. J'ai le médecin qui arrive là derrière, si vous pouvez l'accueillir. S'il vous plaît, j'ai attendu le gyro, c'est le SAMU, d'accord? Merci. Allez. Johan et son équipe viennent d'arriver. Ils vont prendre le relais. Allez, on va la couper. Bonjour. Bonjour. Elle a des rougeurs là, sur tout le haut du corps. Okay. Et elle a également une sensation d'étouffement qui commence à arriver. D'accord. Mais elle sature à 98, là on lui a mis un peu d'oxy pour la calmer. Elle a beaucoup de stress aussi et le démangeaison. Voilà, c'est une belle crise. Quoi. L'état de la jeune fille se dégrade. La priorité de l'urgentiste, c'est de comprendre d'où provient l'allergie. Julien, l'un des pompiers, a sa petite idée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il pense que c'est la protection hygiénique de la jeune femme qui est à l'origine du problème. On va
Ah oui. Apparemment, elle aurait peut-être mis un tampax qu'elle n'a pas l'habitude de mettre. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible qu'elle fasse une allergie avec ça? Alors, ça pourrait. On va voir, on va discuter. On va enlever la protection que tu as, d'accord? Tu vas l'enlever, ok? On va te protéger. Ah oui. Tu l'as déjà enlevé? Au niveau de la protection que tu as mis en ce moment, oui. C'est une nouvelle marque que tu as mise, c'est ça? Non, tu en as déjà mis celui-là. Oui. Là, tu l'as mis à quelle heure aujourd'hui? Juste avant la piscine. D'accord, et les symptômes, ils ont commencé pendant que tu étais dans l'eau? En sortant. En sortant de l'eau? Oui. D'accord. La patiente était dans l'eau au moment de sa crise. Ce que craint le médecin, c'est que sa protection hygiénique, en contact avec le chlore, ait provoqué cette réaction allergique très rare et potentiellement mortelle. C'est une réaction allergique avec des critères de gravité. Elle a un petit peu de mal à respirer, il y a eu des douleurs au ventre. Là, il y a des signes cutanés diffus, donc on va lui faire de l'adrénaline pour casser les symptômes assez rapidement. Si dans les 5-10 minutes qui arrivent, le traitement n'est pas efficace, on peut refaire une injection. Et si malgré ça, c'est toujours pas efficace, il faut passer à d'autres traitements plus agressifs. Adré 0,5 en IM. C'est l'infirmière Christelle qui va perfuser l'adolescente. Mais à la vue de la seringue, la patiente est complètement prise de panique. La mienne, tu l'as fait, Lisa ? Sur quoi ? Je te laisse une perfusion. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Ça y est, j'ai fini. Aïe ! Elle souffle, Lisa. Non, non, la suite. Aïe ! Face à ces hurlements, les pompiers tentent de dédramatiser la situation. Un piercing, oui. Et tu pleurais pour une petite piqûre comme ça, tu t'es fait percer le nez. Et le nombril. Moi je préfère quand tu ça rigoles. Hein. Mal. Mais ça te soigne en même temps. Le médicament là, il est en train oui, de faire effet. Ouais, d'accord. Je m'occupe de toi. C'est-à-dire, c'est, voilà, plus tu vas, en fait, plus tu vas te détendre, mieux ça va. Polaramine. Ok. Une ampoule. Après, une ampoule. Après je comprends que t'es, voilà, que t'es stressé, que t'es flippé, d'accord. Allez, tu respires tranquillement. Alors, je te le sers un petit peu. Au bout de quelques minutes, l'adrénaline fait son effet. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, regarde. Hop, voilà. Voilà, comme ça, voilà. Et viens t'asseoir. Ouais, et on va t'emballer, là, tu vois. Les urgentistes et les pompiers peuvent désormais évacuer l'adolescente vers l'hôpital en toute sécurité. Je ferme, hein. À l'arrière du véhicule, Christelle reste aux petits soins avec sa patiente. Comment tu te sens, toi? Ça va mieux? Bon. Oh, ah bah oui. Son état s'est stabilisé, mais elle est sous le choc et a toujours du mal à réaliser. Je suis allée voir dans la glace et j'ai vu que mes lèvres avaient énormément gonflé. Et là, j'ai pris panique, en fait. Et je suis allée voir directement le maître nageur et là, ça a encore plus gonflé. J'avais du mal à avaler, à parler. Et à respirer, ça bloquait et, voilà. Et ça me grattait partout. J'ai eu peur. Allez, on va à Mondeuil. Le plus difficile est passé. Mais des complications sont toujours possibles. Alors les pompiers ne perdent pas de temps. On va faire un peu de bruit, hein. En France, les allergies touchent près d'un quart de la population. Même si elles ne sont mortelles que dans 2% des cas, l'urgentiste ne veut prendre aucun risque. Il faut qu'on trouve ce que c'est pour que pour toi, eh bien, tu ne t'exposes plus à ça et qu'il n'y ait plus de soucis. Après, tu verras le médecin, il t'expliquera tout, mais tu vas devoir sortir des urgences avec des médicaments contre l'allergie, dont un qui est une piqûre comme on t'a fait, que tu peux te faire toi-même avec un stylo, d'adrénaline si un jour tu refais cette réaction. D'accord ? Je sais que des fois, à 17 ans, c'est un peu embêtant tout ça, mais là, c'est vraiment pour toi qu'il faut qu'on le fasse. Johan se veut rassurant, mais pour le médecin, la jeune fille a frôlé le drame compte tenu des circonstances de l'incident. Pendant qu'elle était dans l'eau, enfin dans la piscine, pendant qu'elle nage, si la réaction elle s'aggrave, effectivement, ben, il y a le surrisque de noyade si elle n'arrive pas à sortir. C'était le risque pour elle. Donc elle a bien fait de sortir rapidement de l'eau pour dire que ça allait pas. En arrivant à l'hôpital, l'adolescente semble aller bien mieux. Moins de stress ? Non, c'est tout.
Elle a même retrouvé le sourire. Non, VIP. Mais au moment de quitter les sapeurs-pompiers, la jeune femme qui subit certainement le contre-coup de l'intervention craque subitement. Ça me regarde un sourire plutôt parce que... Au revoir, mademoiselle. Je te dis pas bientôt, hein. Non, hein. Voilà. S'ils ont pu te soulager. Oui, pleure beaucoup à cette heure du matin. Allez. Non, elle est contente, quoi. Elle est contente qu'on parte. Ciao. Allez. Pour Xavier et ses collègues, ainsi que pour Johan, l'urgentiste, l'intervention se termine bien. Allez, bon courage pour la nuit. Après quelques heures en observation, l'adolescente pourra rentrer chez elle, mais elle devra effectuer de multiples examens afin de déterminer l'origine exacte de son allergie. Quelques heures plus tard, dans le centre-ville de Toulouse, une équipe de pompiers file à vive allure. Ils viennent d'être appelés pour aider une jeune femme fortement alcoolisée à la sortie d'une boîte de nuit. C'est Ivo, 52 ans, qui est aux commandes de cette mission. Le week-end, dans la ville rose, les bars et les discothèques accueillent des milliers d'étudiants fêtards venus de toute l'Europe. Les secouristes sont fréquemment sollicités pour intervenir sur des bagarres ou des comas éthyliques. Allez, on va voir ce qui se passe. Si elle peut se lever, on la met au chaud. La jeune femme est anglaise. Elle est mal en point. Mais Ivo gère la situation avec calme. Des interventions comme celle-ci, il en effectue des dizaines toutes les semaines. Et peu importe la barrière de la langue. Do you suffer? No. Please. What do you want? Smoke. Yes, yes. Ça sent quand même drugs? Un peu l'alcool. Hein. Est-ce qu'elle a pris autre chose que de l'alcool, cette jeune femme? Elle dit que non. Elle dit que non. C'est du sang qu'elle a sur la... Non, c'est du vomi. Dans le nez, je pense que c'est du vomi. Elle a rien, quoi. Elle est simplement ivre. Hein. Tout à fait. La jeune femme ne risque plus grand-chose. Alors Ivo décide de ne pas l'emmener à l'hôpital. Il préfère convaincre ses amis de la ramener chez elle. You go to his house or your house or to your friend's house now, with a taxi order. Yes, okay. You stay with her. Yes. All the night. Yes. Okay, so okay. Are you all right? Yes, we're okay. We're okay. On peut rester. On attend ici avec vous. Call taxi. We wait taxi and after. Okay. Ciao. Tu vas être content de taxi. Ouais. La jeune femme alcoolisée devrait s'en tirer avec un bon mal de crâne. Mais la nuit est loin d'être terminée pour Ivo et ses collègues. Ils doivent repartir sur le champ pour une intervention bien plus grave. Probablement une tentative de suicide. On va faire une jeune femme de 20 ans. Qui a priori ne répond pas lorsqu'on l'appelle ou quand on tape à la porte. Et comme elle a des petits antécédents de tentative de suicide, je pense que sa maman ou quelqu'un de son entourage s'inquiète un petit peu. A raison, à juste titre quoi. Ivo ne le montre pas, mais au fond de lui, il est anxieux. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 24 ans après les accidents de la route. D'autant que la femme sort d'un séjour en hôpital psychiatrique et aurait déjà tenté de se donner la mort. Multisac, s'il te plaît. À peine arrivés, les pompiers sont accueillis par une amie de la famille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame. Je passe la maman de la jeune fille. C'est elle qui a prévenu les secours. Personne, Christophe, personne ne répond aux interphones. La grille est verrouillée. Ah ouais, heureusement, les pompiers sont équipés d'un pass spécial qui leur permet d'ouvrir toutes les portes d'immeubles. Je monte avec vous, je reste
Venez, venez, venez. Venez au moins jusque devant le palier. La jeune femme vit seule au premier étage de cette résidence. Une autre amie, cette femme avec le bonnet rouge et le blouson vert, vient d'arriver pour aider les pompiers. Ivo commence par tenter d'établir le contact. Est-ce que vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît ? Déjà, elle répond. Ouais, c'est bien. C'est bon signe. Pour le moment. Bonne nouvelle, la jeune femme est consciente, mais elle ne veut pas obtempérer. Essayez de nous ouvrir la porte, s'il vous plaît. Vous êtes où ? Je vous entends très très mal. Rapprochez-vous de la porte, s'il vous plaît. Venez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît. Essaye, allez. Autour de son ami de tenter sa chance. Tu m'entends ? Viens près de la porte et allumez la lumière. Ouvre-moi, s'il te plaît. J'aimerais bien t'entendre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on va être obligé de rentrer. Les minutes passent et la jeune femme n'ouvre toujours pas. Deux collègues d'Ivo décident de ruser et de passer par la fenêtre. Elle habite au premier étage et atteindre le balcon est un jeu d'enfant. Ils n'attendent plus que le signal de leur chef pour intervenir. Je la vois passer, elle est debout. Tu lui dis qu'on est sur le balcon ? Faut ouvrir, mademoiselle, là. Ça saute. Hein. Faut ouvrir ici. On va pas casser la fenêtre. Allez. C'est pour votre bien, mademoiselle. Vous nous laissez rentrer avec vous, s'il vous plaît, qu'on puisse discuter. La jeune femme est cernée, mais elle ne veut rien entendre. Mademoiselle, vous pouvez prévenir qu'on va rentrer par le balcon maintenant. Si elle ouvre pas, si elle ouvre pas. Tu as entendu ou pas ? Tu n'ouvres pas la porte, donc il y a les pompiers qui vont venir par le balcon. Ivo sait que plus il attend, plus la situation peut devenir dangereuse. Alors le pompier décide de rentrer en force. Donc elle est prévenue, vous pouvez rentrer. Prudence. Bonsoir, miss. C'est bon, on est rentré, on essaye de vous ouvrir. Comment ça va ? Fatigué ? Allez, asseyez-vous. Le soldat du feu est rassuré car la jeune femme est plutôt coopérative. Mais il va faire une découverte très inquiétante. Qu'est-ce que c'est ça, mademoiselle ? C'est vos médicaments ? Ouais. Hop, ça me va l'enlever. Sur la table de nuit, des boîtes de médicaments en pagaille, sans oublier les cachets éparpillés par terre. Ce sont les médicaments que vous avez pris au sol, là ? Vous avez pris il y a combien de temps ? Ça fait plus d'une heure ou moins d'une heure ? Plus d'une heure ? Est-ce que vous les avez pris avec de l'alcool ? Vous avez pris de l'alcool aussi ? La situation paraît très grave. La jeune femme aurait tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant une quantité incalculable de médicaments. Difficile de connaître la raison de son geste. Mais heureusement, les pompiers sont arrivés à temps. Isa aussi. La famille, on verra après. Non, d'accord. D'accord. Voilà, la famille, on verra après, on va laisser rentrer en premier les pompiers. Excuse-moi. C'est une précaution et c'est la procédure habituelle. Ça craint ? Non, ça craint pas, elle a pris beaucoup de cachetons. D'accord. Dans les champs. Je pense qu'il va pas falloir trop tarder parce qu'elle commence à être un peu moins grave. Ça va, vous m'entendez ? C'est Julie, l'une des pompiers volontaires de la caserne, qui engage la conversation. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ce soir ? Vous voulez pas me raconter un petit peu ? C'était pas facile, non ? Pas envie. D'accord. Et vous vivez seul ici ? Oui. Et vous êtes pas avec votre mère ? Ouais, bon, c'est bien. Elle n'est pas là, votre mère ? Oui. D'accord. Et alors, vous avez un petit ami, une petite amie ? Non ! Oh non, surtout pas, quelle idée ! Les pompiers préfèrent laisser leurs collègues féminines discuter afin de rassurer la jeune femme. Ça se passe mieux. C'est très bien. Moi, je considère que c'est très bien. Par rapport à l'approche, tu vois, qu'elle a, c'est différent. Nous, on est peut-être parfois un peu trop... Brutus, quoi.
Ivo et Julie doivent maintenant déterminer quel produit et combien de cachets la femme a avalé pour préparer le terrain aux médecins de l'hôpital. Ouais. Il y en avait foison. Combien j'en ai de... Une, deux, trois, quatre, cinq. Deux, trois. Dix médicaments dans chaque... Ouais, mais... La jeune femme aurait ingurgité une centaine de cachets anxiolytiques. Mais pire encore, et contrairement à ce qu'elle a annoncé aux premiers pompiers, elle les aurait mélangés avec de l'alcool. C'était quand vous avez bu de l'alcool, là? C'était quand? Hier soir? Ce midi? Ce soir? C'était un petit verre, un grand verre que vous avez bu? C'était là-dedans? Un verre, deux verres, mademoiselle, une d'alcool. Bouteille. Il y en a du whisky ou quelque non. chose? Non, t'as une bouteille, il y a un quart qui a été tombé. C'est comme ça. Voilà, okay. C'est tout. Vous allez venir faire un petit tour. C'est déjà pas mal. Ça vous va? Vous n'avez pas froid? Plus de temps à perdre, les secours emmènent immédiatement la jeune femme à l'hôpital. Elle est toujours très somnolente et doit être placée sous surveillance. Ouais, je vais garder les clés. Et je les lui donnerai, je les mettrai dans la poche. Merci de votre intervention. Non, non, il n'y a pas de quoi, hein. On est là pour ça. Allez, la dernière marche. Et voilà. La mission aura duré près d'une heure. Elle connaît heureusement une issue positive, mais ce n'est pas toujours le cas. En France, en moyenne, 25 personnes se donnent la mort chaque jour. C'est un suicide par heure. Ivo ne se laisse pas déborder par l'émotion. Avec le temps, le sergent-chef a dû apprendre à vivre avec ce type de drame. Tu sais, quand tu commences dans le boulot, les choses comme ça auxquelles tu n'es pas accoutumé, tu es touché, mais après, à force... Et puis, on n'est pas le bon Dieu, quoi. Si je m'effondre là, ouais. C'est bon, on n'avance plus, tu vois. Il compte sur moi, hein. Le pompier est modeste, car sans son intervention et celle de ses collègues, la jeune femme aurait peut-être succombé. Ça a été ? Très bien. On s'est occupé. C'est maintenant à l'équipe médicale de prendre le relais. Elle souffre a priori, d'après les amis qui étaient sur place, d'agoraphobie et puis bon, dépression. Dépression. Ouais, ouais, ouais. Après une série d'examens, la jeune femme restera plusieurs heures en observation, le temps que les substances toxiques soient évacuées de son organisme. Elle est tirée d'affaire, mais sera suivie par un médecin psychiatre dans les mois à venir. Ivo termine sa mission avec le sourire. Vous lui dites au revoir, c'est important de... Ben ouais, il faut déjà laisser 2-3 consignes et puis après dire au revoir. Faut toujours se dire au revoir, non? C'est bien. Et voilà. Intervention terminée pour le moment. Dans quelques minutes, le pompier repartira dans les rues de Toulouse pour une autre intervention. Toujours avec le même enthousiasme. Il est 19h. Le soleil se couche sur Toulouse. Les habitants rentrent peu à peu chez eux, sans imaginer une seconde que cette nuit, un nouveau drame va perturber leur sommeil. À la caserne de l'Union, les sapeurs-pompiers aussi l'ignorent pour l'instant. La journée a été éprouvante, alors pour se détendre, ils ont organisé une soirée pizza. Un moment de camaraderie essentiel pour décompresser, auquel Christophe est particulièrement attaché. C'est des moments privilégiés, là, c'est des moments... Importants, très importants, essentiels. Pourquoi ? Essentiels pour la cohésion de l'équipe. Le plaisir de se retrouver ensemble, tout le monde mange ensemble, c'est le top. Mais ce soir, le repas va être écourté. Feu d'appartement ! Comme souvent,
les pompiers n'auront pas le temps de finir leur pizza. Une alerte incendie vient d'être déclenchée et ils doivent se mettre en tenue. En moins de 2 minutes, Christophe et Frédéric, son chef d'agré, sont prêts à intervenir. On part pour un feu d'appartement, apparemment avec les flammes qui perceraient du toit. Pour cette mission périlleuse, la majorité des forces vives présentes sont envoyées sur les lieux de l'incendie. 3 véhicules sont mobilisés, un camion grande échelle et 2 camions incendie. J'essaie de rattraper. Bâtiment R+2, flammes qui percent en toiture pour un feu d'appartement. Gros risque de propagation et notamment de victimes encore, potentielles. Pour nous, l'échelle, ça fait ça. Le feu se serait déclenché dans les étages supérieurs d'un immeuble situé au nord de la ville. Et dans ce quartier défavorisé, les habitations sont particulièrement vétustes. Reste au milieu, yo, je vais voir, je te dis ce qu'ils veulent. Malgré une forte odeur de brûlé, Frédéric et ses collègues pompiers ne voient pas de flammes ni de fumée. En fait, l'immeuble incendié serait dans une cour intérieure invisible depuis la rue. Il s'agirait d'un squat. Je fais une reco aérienne, je te tiens au courant. Peut-être voir s'il y a des victimes ou pas. Ouais, mais peut-être l'accès est derrière. Un groupe de pompiers se détache afin de trouver une porte d'entrée. Alors que Frédéric s'apprête à monter sur le toit. Je veux la nacelle, moi, au niveau de la fenêtre du milieu, là. Ok. D'accord ? Ça marche. Allez, go, en place. On monte ici, nous, ouais. T'as pris ton masque ? Ouais. Frédéric se prépare à intervenir dans des conditions difficiles. Ouais. Le feu, pour les pompiers, c'est la menace la plus dangereuse. Pendant ce temps-là, ses collègues cherchent toujours une voie d'accès en interrogeant les patrons d'un restaurant. Il parle espagnol et par chance, l'un des sapeurs-pompiers est bilingue. Mais sans succès. Voilà, okay, on n'a pas d'accès. Toujours dès que j'ai un accès. Dès l'instant qu'on aura un accès, on mettra une division. Mais pour l'instant, j'ai. Frédéric et Christophe commencent leur ascension de 32 mètres vers le toit. Leur mission, c'est d'empêcher que le feu se propage dans les immeubles adjacents et secourir d'éventuelles victimes. Depuis leur position, ils peuvent apercevoir l'appartement d'où le feu a démarré. Là, Fred, je vois personne là-dedans, d'accord ? Le feu, ça tube ici. Ouais. Attends. Fred, 4 fenêtres, aucune victime apparente. Les appartements semblent vides, mais rien n'est sûr. Pour autant, les pompiers n'interviennent pas pour l'instant. Asperger les flammes ne servirait à rien. Pour éteindre complètement le feu, il faut trouver l'origine du foyer. Je peux descendre ? Dans la rue, les collègues de Christophe et Frédéric ont enfin trouvé une voie d'accès. Et ils commencent l'évacuation. Une femme et son enfant d'abord. Allez madame. Ça va ? Ouais, j'ai des pieds un peu. C'est bon, vous y voyez ? Allez madame, venez. Puis un voisin qui dormait. C'est où ça ? Et ne s'était rendu compte de rien. C'est là, ça a commencé. Sors. Mais quelle bande d'abrutis ! Fais gaffe, tombe pas. Le foyer est gros. Comme l'immeuble est un squat, impossible de connaître le nombre exact de victimes potentielles, alors les pompiers interrogent le voisinage. Il devrait y avoir de monde dans cet immeuble, à peu près. Cet immeuble, il y en a à peu près. À peu près, 15 personnes. Les soldats du feu continuent leur reconnaissance. C'est bon. On vérifie bien là. Couvrons les placards, les conneries. Mais dans ce bâtiment vétuste, c'est bon ? Difficile de se frayer un chemin. C'est bon ? Voilà, ça c'est verrouillé dans la cage d'escalier. Au dernier étage, un groupe de sapeurs-pompiers a enfin trouvé le foyer. Avec leur lance, ils vont tenter de l'éteindre depuis le couloir. C'est bon, je viens.
Arrête pas les gars. Baisse-toi. On va rentrer un petit peu, on va faire ta pièce qui est là. Ok. Eh les gars, faites gaffe, ne rentrez pas trop, vous avez tout le dessus qui est embrasé. Le risque, c'est l'effondrement du plafond. Les soldats du feu doivent être prudents et avoir les yeux partout. Est-ce que toi, t'as une propagation en toiture là ? Bonne nouvelle, le toit et les combles sont épargnés pour l'instant. Mais les pompiers vont avoir une mauvaise surprise. Une équipe a repéré une bonbonne de gaz à quelques mètres des flammes. Et elle peut exploser à tout moment. Ils vont te sortir la gazinière ! Jérémy, écarte-toi, ok ? Le gaz, c'est hyper dangereux, c'est qu'elle est quasiment vide. Parce que l'échange de l'air, quand elle est pleine, il y a beaucoup moins de risques. Mais vide, elle est très dangereuse. Les soldats du feu prennent tous les risques et isolent immédiatement la bonbonne. Pas question d'arrêter le combat contre les flammes malgré les conditions extrêmes. Ici, la chaleur s'élève à plus de 600 degrés. Une véritable fournaise qui peut être fatale malgré leurs équipements. Il faisait vraiment chaud par moment. Il y a des moments c'était dur. Comme c'est un squat, il y a de tout partout. Du coup, on a du mal à taper le foyer. Comment il s'appelle lui déjà ? Et c'est pour ça que c'est un peu long. Après une demi-heure de bataille, les pompiers arrivent enfin à bout de l'incendie, mais ils restent sur leur garde. Car un retour de flamme est toujours possible. Il n'y a pas de propagation comblée. Sur le toit, Christophe asperge les dernières braises incandescentes. Super! On a de la chance, les combles n'ont pas été détruits par le feu. Donc du coup, on peut travailler en sécurité sur le toit, on détruit de manière à éviter la propagation. Ce soir, malgré des conditions éprouvantes, les pompiers ont réussi leur mission et peut-être sauvé plusieurs vies. Ah, mieux, hein ? Et c'est tout squatté, il y a des détritus partout. C'est assez compliqué, en plus de ça, il y avait des gens qui n'étaient pas très coopérants, qui ne voulaient pas sortir. C'est la vraie problématique, c'est ça. Finalement, pas de victime. Pas de victime, a priori, pas de victime. Aucune victime, mais une vingtaine de personnes à la rue, très remontées. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, ce serait un de leurs amis, un squatteur, qui aurait mis le feu à son appartement dans un coup de folie. Un gars qui a l'habitude de faire des cabanes, là, il est un peu taré, mais il a allumé le feu. J'étais en train de faire la manche, et c'est un ami qui m'a dit qu'il y avait le feu où j'habitais. Et voilà, je ne sais pas plus de choses. L'intervention était très compliquée et aura sollicité une vingtaine d'hommes. Mais Frédéric et Christophe le reconnaissent. C'est précisément pour ce type de mission qu'ils ont choisi ce métier. Là, on est dans notre élément. Là, on est à 100% dans notre cœur de métier. C'est ça qu'on aime. On était tranquillement en train de manger les pizzas au foyer, un bon moment entre amis. Et derrière, eh bien, le départ, on est parti, voilà, et... Le feu, tout droit, et toute l'équipe qui mangeait les pizzas, et bien, a bien bossé. Voilà. L'année dernière, à Toulouse, plus de 800 incendies ont été déclarés. Et pour les sapeurs-pompiers, c'est à chaque fois une dure épreuve. Le lendemain, au centre de régulation, les appels s'enchaînent. Mais au fond de l'open space, l'un d'entre eux révolte un des assistants régulateurs. Pierrick est au téléphone avec une femme qui demande de l'aide. Sa voisine vient d'être victime d'un vol à l'arraché dans le hall de son immeuble et elle est grièvement blessée. Ouais. D'accord, c'est à Toulouse.
Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame ? Elle ne crie pas ni rien, mais juste elle est très fatiguée, elle est essoufflée et elle a sa jambe qui lui fait mettre très mal. D'accord, donc elle s'est fait agresser, ils l'ont bousculée, elle est tombée, c'est ça ? Oui, oui. D'accord, et là, elle est toujours par terre ? Oui. Cette dame, c'est quel tibia qui est touché ? Le droit. Le droit, il est déformé vraiment ? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas l'os qui sort ? Non. D'accord, il est comment ? Vous voyez une grosse déformation, il est vraiment déformé ? Oui, oui. Elle souffre beaucoup, cette dame ? Oui. Bon, j'en parle juste avec un médecin, hein, madame, ne quittez pas, hein, s'il vous plaît. On arrive, les secours sont en route, madame. Au même moment, un camion de pompiers et une ambulance du SAMU se mettent en route. Direction le centre-ville. À l'arrière du véhicule, Edmond, l'infirmier, et Aliénor, une jeune médecin de 30 ans, prennent connaissance de la situation. Dame qui a été C'est une patiente de 4 ans qui a eu un vol à l'arraché, qui a été bousculée, qui a dû tomber du coup et qui a une déformation au niveau du tibia droit. Les deux urgentistes interviennent fréquemment sur des agressions. Et quand la victime est une femme âgée, ils sont toujours plus inquiets. Si son tibia est fracturé, elle risque de ne plus remarcher. Saxcope, ça vous va les filles ? Sur place, les pompiers arrivés en premier ont commencé à lui prodiguer des soins. Et là, on est où ? On est chez elle ? Elle est là, dans l'hôtel d'entrée. Mais pourquoi elle est dans l'hôtel d'entrée ? Parce que c'est, elle c'est chez... Mais c'est pas chez elle. Ah si, chez elle, pardon. Dans l'hôtel d'entrée, c'est pas agressif. Aliénor se précipite vers la victime pour comprendre les circonstances de son agression. Bonjour, madame. Monsieur le médecin, qui vous est arrivé ? Quelqu'un m'a poussé. D'accord. Vous êtes tombé ? Je suis tombé. Vous êtes cogné la tête ? On a pu mettre une tête ou pas ? Vous n'avez pas cogné la tête ? Par chance, la retraitée n'est pas touchée au niveau du crâne, mais son tibia est cassé et sa jambe a doublé de volume. Ouais, voilà, ouais. Attendez, madame, je vais vous allonger un peu la jambe, d'accord ? Madame, laissez-vous faire au niveau de la jambe. Voilà. Laissez-vous faire, Minette, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Il faut juste qu'on l'immobilise. Pour l'immobiliser, il faut qu'elle ait la jambe bien étendue. C'est pour ça, mais il faut lui faire sans qu'elle ait trop de douleur. La vieille dame a subi un terrible choc, aussi bien physique que psychologique. C'est sa voisine qui l'a trouvée par terre. Cette jeune femme, avec un manteau noir. Elle habite ici. Elle a fait pire, quand même. Il y a un homme qui est arrivé dans l'immeuble, qui l'a agressé, qui est arrivé derrière elle. Et donc il l'a bousculé, il l'a mise par terre, il lui a pris toutes ses affaires, son sac, tout ça, il est reparti directement. Et je l'ai retrouvé comme ça. Un coup classique. L'agresseur a agi par derrière au moment où la vieille dame rentrait dans son hall d'immeuble. Elle n'a rien pu faire. Je vous prends le bras, vous me le prêtez ? Ça y est, elle me... Pour le moment... Impossible de la transporter dans cet état. Edmond, l'infirmier, doit lui injecter des calmants et trouver les mots pour la rassurer. On va faire un médicament pour enlever toute cette douleur, hein, toute la jambe qui est endormie et tout ça. Ne vous inquiétez pas, va. On va la calmer. On va vous amener après à l'hôpital faire les radios. Et voilà. Il faut lui dire à cette dame que tout va bien et que voilà qu'elle est hors de danger et que maintenant les choses vont être super faciles pour elle, qu'on va l'amener à l'hôpital, qu'on va la coucouner. Je bougeais pas la jambe. Avant de l'emmener à l'hôpital, une dernière opération délicate. Il faut lui poser une attelle gonflable pour immobiliser sa jambe. Laissez-la tomber. Laissez tomber la jambe. Ça fait mal. Non, madame. Laissez le docteur faire. Non, ne relevez pas la jambe. Faut pas relever la jambe. Laissez la jambe tomber. Laissez la jambe tomber. Ça va aller mieux dès qu'on va pouvoir l'immobiliser. Laissez tomber la jambe. Laissez-la tomber. Elle la relève systématiquement, en fait. Vas-y, c'est ça qui lui fait mal. Écoutez-moi, il y a les calmants qui passent là. Hein ? Il y a les calmants qui passent. Ça va s'arranger. C'est bon, c'est gonflé ? Ça tient bien ? Malgré les calmants, la retraitée souffre et elle est agitée. Alors les pompiers doivent s'adapter. Allez, comment ? On va passer le brancard du coup à côté, on va le descendre. Ouais, c'est parfait. Si on peut lever, levez.
Au final, l'intervention n'aura duré qu'une petite demi-heure. Mais la vieille dame ne devrait pas en garder un bon souvenir. La pauvre, on était très nombreux à lui poser des questions sur le bras, sur la jambe qui mettait des électrodes sur le corps. Ça fait beaucoup et voilà, plus son traumatisme, j'imagine que la pauvre, elle doit être très très inquiète. Voilà. À Toulouse, plus d'une dizaine d'agressions avec vol sont recensées chaque semaine. C'est devenu le lot quotidien des médecins et des infirmiers. Mais Edmond a toujours du mal à s'y faire. Moi, j'ai un petit peu l'habitude de voir ça, mais ça me rigole toujours beaucoup. Voilà, de voir ce genre d'agression, je me dis, c'est pas possible qu'on puisse comme ça aller faire du mal à une personne vulnérable comme ça, une extrême lâcheté. Le pronostic vital de la retraitée n'est heureusement pas engagé. Ce sont les pompiers qui vont l'emmener à l'hôpital. Mais Edmond et Aliénor souhaitent la réconforter une dernière fois. Ouais, c'est good. Allez, bon courage, madame. Au revoir. Allez. Dans la rigolée de tout ça, va bientôt. La mission des urgentistes s'arrête là. Leur patiente sera plâtrée dans l'après-midi et devra effectuer plusieurs semaines de rééducation avant de pouvoir peut-être reprendre une vie normale. À Toulouse, l'insécurité est devenue un vrai sujet de préoccupation. La Ville Rose connaît depuis quelques années une augmentation des violences aux personnes. Le soir même, d'autres personnes âgées vont malheureusement vivre une expérience encore plus traumatisante. Il est 23h. L'alerte tombe à la caserne de l'Union. Eric part en renfort pour aider ses collègues qui sont déjà en route. C'est pourquoi ? Je pars pour une personne agressée à domicile. Ok. Ben, il y a déjà les SAV sur place et je les rejoins. Un couple de personnes âgées se serait fait molester dans leur maison. Ils habitent un quartier résidentiel, habituellement paisible. Les policiers sont déjà sur place. Ce que vient de vivre le couple de personnes âgées fait froid dans le dos. Moi, je te confirme, agression à domicile de deux personnes avec 4 heures détenues pour la dame à gauche. Mon mari m'a expliqué qu'ils ont été enfermés à la cave. Donc, non, j'ai un traumatisme important avec fracture avant-bras, non ouverte. Et divers traumas à face et au crâne, mais sans perte de connaissance. 4 heures. Les secouristes et les forces de l'ordre n'en reviennent toujours pas. Dans la région, il y a en moyenne 7000 cambriolages chaque année. Mais ce soir, c'est une affaire hors du commun. Les victimes ont été séquestrées et passées à tabac. Un acharnement incompréhensible. Pour le mari, les malfaiteurs n'étaient obnubilés que par une chose, l'argent. Oui, j'ai ouvert la porte, ils m'ont sauté dessus. D'accord. Et je vois deux personnes. Un, là, ici, là, à l'entrée, au niveau du placard. Là. Un de chaque côté, ils ont commencé à me taper de tous les côtés. D'accord. L'argent. Là. Je n'ai demandé que l'argent. On va zigouiller ta femme, on va ceci, on va cela, ils m'ont attaché les pieds. Après, ils m'ont mis par terre, ils m'ont dit on va te crever. Toujours l'argent, c'est pas possible, tu dois avoir de l'argent, c'est pas possible, tu dois avoir de l'argent. Et puis ils m'ont attaché. Les deux malfrats se sont introduits chez eux et les ont torturés pendant 4 heures avant de s'enfuir. Pour les retrouver, les policiers ont besoin d'un maximum d'informations. Ils ont pris des téléphones aussi. Oui, ils ont pris des téléphones. Combien de téléphones, vous savez? Le bien. Les cartes bleues. Ma femme. D'accord. 4 cartes bleues. 4 cartes bleues. Des bijoux? Oui. Environ autour de 15 000 euros. D'accord. Et l'argent, je ne sais pas combien. Ça... Hormis la carte bleue, il y avait du liquide. Non. D'accord. C'est pour ça qu'ils nous ont tabassés. La victime, sous le choc, a immédiatement appelé à l'aide l'un de ses collègues de travail. Cet homme à droite avec l'écharpe. Il est abasourdi. On ne bouge pas avec Fouad, on est là. Il a quitté le bureau avec moi, c'était 8h30. On s'est quitté ici et lui est venu ici. Moi, je suis parti chez moi. Et puis, je n'ai pas de nouvelles. Et puis, j'étais en train de faire des papiers chez moi. Il m'a appelé, il m'a dit Franck, viens, j'étais séquestré. Il m'a taillé ma femme.
La femme vient de vivre un cauchemar. Les cambrioleurs l'ont violemment frappée au visage et au bras. Ils l'ont bâillonnée avec une cravate et du ruban adhésif. Elle est gravement blessée et totalement traumatisée. Les pompiers l'examinent pour voir l'étendue de ses blessures. Je vais essayer de voir certainement avec... Ils ont des dents, tout ça ? Ça a bougé ou pas ? J'ai 134,49. Pardon ? À droite. Ça n'a pas bougé. D'accord. Donc on revient sur une douleur ici au niveau du bras. Et ce n'est pas tout. Elle a reçu un coup de couteau à la cuisse gauche. Une blessure superficielle, mais qui témoigne d'une rare cruauté. Je vais quand même voir ce qu'on a ici. D'accord ? La plaie est petite. Une compresse, une bétadinée. Il faut les traiter. Avec une bande. Ouais. Madame, j'ai fait pas mal. La retraitée est sous le choc, mais se souvient de chaque détail. Les policiers veulent l'entendre, elle aussi, pour récolter le plus d'indices possible. Ils étaient cagoulés ? Oui, cagoulés. C'est des professionnels. D'accord. Ils avaient quel âge pour vous, à peu près ? Pour moi, ils avaient 35 ans, pas plus. D'accord. Tout habillé de noir ? Tous les deux, tout habillé de noir, et puis ça, je commençais à crier, me tabasser, avec les coups de pied, à la tête, partout. Ok, donc madame a pris un coup de couteau aussi ? Oui. Et le bras, il m'a donné des coups de pied dans le bras, il n'a pas arrêté. Ils sont arrivés avec le scotch ? Oui, c'est leur scotch, c'est pas le mien. Mettez pas trop les mains dessus, on récupère pour l'ADN. C'est bon, la police, on peut y aller ? Ouais, merci. Elle sera ventilée sur Purpan. Le sapeur-pompier Jean-François a obtenu d'autres informations sur l'agression et il reste sans voix devant tant de lâcheté. De ce que je comprends, la femme était en train de sortir les poubelles quand les agresseurs sont arrivés. Donc elle a été prise par surprise par les agresseurs. Le mari n'était pas présent, il est arrivé après. Quand il est arrivé, les deux agresseurs étaient derrière la porte. Donc ils ont sauté directement dessus, ils ont commencé à le frapper. Et après, ça a duré plusieurs heures, de ce que je comprends. Et après, ils ont été enfermés à la cave. Pendant que les agresseurs passaient la maison au peigne fin à la recherche d'espèces, le couple était ligoté et enfermé dans cette cave. Les policiers cherchent d'autres indices, mais visiblement, les malfaiteurs savaient ce qu'ils faisaient. Pas vraiment de traces apparentes. Mais... On a déjà posé. Le calvaire du couple aura duré près de 4 heures. Avant de partir à l'hôpital, les pompiers tentent de réconforter la femme âgée. Allez, ça va vite chauffer avec le chauffage, d'accord ? Comment ? Ça va vite chauffer avec le chauffage. Oui. Allez, détendez-vous. Merci. L'homme et la femme sont placés dans deux ambulances distinctes. À l'avant de la première, Moïse semble très marqué par cette sordide affaire. Elle, je ne sais pas pourquoi, elle a vraiment été torturée physiquement, là. Comme on dit chez nous, elle a ramassé un petit peu quand même. Ils n'ont pas été cool, ils n'ont pas été tendres. En France, près de 250 séquestrations à domicile ou saucissonnages sont recensées chaque année. Mais c'est la première fois que les pompiers sont confrontés à une affaire d'une telle violence. Ouais, des trucs comme ça, quand même, c'est particulier, là. Agresser à domicile comme ça, de façon si violente, retenu 4 heures, non, on ne fait pas ça tous les jours, quand même. C'est pas vrai. À l'hôpital, la femme va être immédiatement prise en charge, mais les sapeurs-pompiers restent à ses côtés pour l'aider dans cette dure épreuve. Ça va aller, il faut laisser le temps maintenant. Vous êtes au bon endroit, c'est terminé. Regarde, madame, tu fais la plaie. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé, madame ? Vous n'avez pas vomi depuis ? Non, mais j'ai envie de vomir. Vous avez envie de vomir ? D'accord. Finalement, elle souffre d'une blessure minime à la cuisse, de grosses contusions au visage et d'un bras cassé. Mais le choc psychologique risque d'être encore plus compliqué à soigner. Ça va ? Le mari arrive à son tour. Il a encore du mal à réaliser l'épreuve que lui et sa femme viennent de subir. Pour elle, c'est dur. Pour moi aussi, c'est dur. Hein, ça. Pour un sirop, hein. Évidemment, oui. On prend les choses. Évidemment. De notre manière. Soignez-vous. Merci beaucoup.
Ce soir, les sapeurs-pompiers rentrent à la caserne plein d'amertume, marqués par cette intervention hors du commun. Pour le moment, les malfaiteurs n'ont toujours pas été arrêtés. L'enquête est toujours en cours.